Dark et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Assassin's Creed Unity. La mission est juste à côté comme vous pouvez le voir. C'était assez tendu sur la précédente vidéo pour ceux qui s'en rappellent. Au niveau de l'objectif pour cette vidéo, si j'arrive à cliquer, c'est la fille de l'air. Donc une fois Marie Levesque tuée, ça c'était dans la précédente vidéo, il est temps de retrouver Elise et de quitter les lieux. Donc on va voir Elise, on va voir ce qu'elle va nous dire. Hop là. Jouer. Mais... Pas le temps de t'expliquer! Cours! Oh putain. À une promenade aérienne, professeur? Non, non, non. Je crains que non. Ces vieux aérostats sont à la merci des vents. Et ils soufflent trop fort pour naviguer sans danger. Revenons à cet exemplaire-ci. Hé, mais que faites-vous donc? Descendez de là tout de suite! Coupe les cordes! Je te couvre! Mon Dieu! Allez. Fais vite! Prends garde! Allez, coupe... Je sais pas pourquoi il veut pas la couper. Voilà. Allez. Voilà. Regarde. Enfin. C'est bien. Plus qu'une. Allez. Hop là. Beaucoup trop lent. Je vais te rejoindre. Où veux-tu que j'aille? Mais non. Il faudrait bien te dépêcher. Allez. Merci du conseil. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait mon perso, il se tape des délires. Un moyen de redescendre. Ça c'est n'importe quoi parce que mon perso. Déjà bon, moi je me suis trompé puisque je suis parti de l'autre côté. J'aurais dû partir sur le côté gauche pour sauter. Mais après je sais pas pourquoi. Je voulais sauter de toit en toit, mais non, il voulait pas. Des fois, la maniabilité est un petit peu moyenne. Où veux-tu que j'aille? Bug. C'est vraiment très joli vu d'ici. Si tu voyais cette vue. À quel dis-tu? Non. Le vent forci. Tu ferais bien de te dépêcher. Merci du conseil. Oh putain, mais. As-tu au moins réfléchi à un moyen de redescendre? Ah, ces problèmes ont tendance à se résoudre de même. Allez. Tu vas bientôt manquer de toi. J'espère que tu sais ce que tu fais. J'ai bien l'intention de rire en te voyant t'écraser dans le fleuve. C'est quoi cette chose? Bon. Il est là. Là-haut, au-dessus des coins. Allez, ça va être chaud là. Oublie-les.
Ouais, bah c'est ce que je fais. Bon, je sens que là il a envie de se taper un délire, mon perso, encore. Hein. Allez. Hop là. Arnaud ! Tout va bien ? Oh putain, ça sent pas bon ça. Pouf. Arnaud ! Tout va bien ! Ne bougez plus ! Arrêtez! Je crois que c'est moi qu'ils sont en train de viser. Arrêtez-vous! Qu'est-ce que tu as fait là-bas? C'est une longue histoire! Bonjour! Vite! Allez. Il faudra que je raconte ça à Bonaparte. Vite! Ah, elle me fait faire le tour de Paris ou quoi? Tu as l'intention de venir ou pas? Ouais. Attends, du fleuve. Fais vite. J'arrive. Ouh. Est-ce que je vais réussir enfin à monter? Ouais, c'est bon. La prochaine fois, je m'occupe de notre sortie. C'est magnifique. Vu d'ici, comment pourrait-on croire que notre nation se déchire? Est-ce que les choses reprendront un jour leur cours normal? Tu crois que c'est possible? Et toi? Après tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons perdu... Alors c'est irrévocable. L'histoire est à jamais altérée. Nous ne reviendrons plus en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Mais cela ne signifie pas qu'on n'ira plus de l'avant. Élise, je... Tu as triché. Et toi, tu as trop traîné. Je t'aime. Ok, bon, bah, ça fait une vidéo quand même courte. Ah, quoique c'est pas encore terminé, je pense qu'il va peut-être y avoir une cinématique. Au moins qu'il me lâche comme ça dans la nature. On va bien voir, mais c'était plutôt sympa. Un peu la galère de sauter de toit en toit, mais c'était sympa. Alors...
J'ai dû filer. Tu avais l'air si paisible que je n'ai pas voulu te réveiller. Je t'aime, Elise. Quelqu'un va venir la chercher. Espérons-le. Venez voir, attendez. Mais tout ça, c'est de la fiente. Ok. C'est tout de même ouais, bah si. Hideux. Ça s'est bien terminé. Ah. Initié, tu me reçois? Désolé pour tous ces parasites. Je n'avais jamais vu autant de distorsions. Ça ne me dit rien qui vaille. Que dirais-tu d'un nouveau boost avant que je perde la connexion? Je t'envoie les données. Ok. Attitude d'assassin débloquée. Qu'est-ce que je peux prendre? Mettre à l'arme longue. Exécution au sol. Mettre à l'arme lourde. Non. À portée, ouais, bof. J'aime pas trop. Par contre, discrétion. Ah, les coffres, ça peut être sympa. Mettre sérieux, serrurier. Bah, ça peut être vraiment sympa. Voilà. Comme ça, niveau coffre, je serai un petit peu plus tranquille. Ça peut être sympa aussi la prochaine fois. Double assassinat aérien. Ok, accroche-toi. Tu touches au but. Nos recherches n'ont pas pu identifier la date ou le lieu de la mort de Germain. Il va falloir que tu les découvres toi-même. Bishop terminé. Ok. Ouais, ça me lance rien au final. Je pensais que ça m'aurait peut-être envoyé quelque part. Alors, au niveau des missions, si j'arrive à la retrouver. Non. Je vois, c'est la galère pour retrouver la mission. J'en ai pas? Ah si, voilà. Dîner en village. Oui, Michel. Le Pelletier, député à la Convention nationale, fait partie de la conspiration orchestrée par Germain. Découvrez ce qu'il est et tuez-le. Encore des personnes à tuer. Décidément, j'en tue pas mal. Bah écoutez, je vais m'arrêter pour aujourd'hui avec cette vidéo. Ça fait pas une vidéo trop longue, mais bon, c'est bien quelquefois d'avoir des vidéos courtes. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. C'était un petit peu une petite course-poursuite pour attraper Elise. Mais j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit j'aime. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne et que vous voulez voir d'autres vidéos par la suite. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.